Acclamez très fort le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, nous allons faire un petit escale rapidement avant d'aller à cette phase-là, parce que ça va nous causer préjudice, vous et moi, si on ne le fait pas. Ici, nous avons nos mamans, enfin une délégation de nos mamans qui nous ont nourris matin, midi, soir. On va leur demander de s'avancer. On va demander à nos mamans de s'avancer. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Elles ne sont pas toutes là. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour vos vies respectives. Ah, ça, c'est pas fini. Les gens qui acclament toujours. Ça veut dire que le peuple est très content de vous. Oui, on va demander aux frères aussi de s'avancer. Rodolfo, Taofik, les autres, merci beaucoup à vous. Bon, c'est vrai que on avait demandé que toute l'équipe vienne, mais par mesure de prudence, ils ont laissé une petite délégation là-bas pour assurer l'arrière-base. Faudrait pas que les terroristes attaquent notre camp avant notre retour. Amen. On va demander, c'est pas au président ou au doyen, de les bénir. Et au retour là-bas, vous voudriez bien, je ne sais pas, partager la bénédiction avec les autres. Voilà. Ben, j'ai peur de mots. Hier soir, en me couchant, j'ai constaté que j'ai pris du poids. Donc, quand je dis, chez moi, quand on dit tu as pris du poids, c'est que tu as grassi. Donc, je crois comprendre que, ouais, je brille, non? C'est que vous avez été là. En tout cas, vous nous avez bien nourris. Matin, midi, soir, c'est pas donné. Nous bénissons le Seigneur pour qu'il fructifie votre sagesse dans la cuisine, vos mains dans la cuisine. En tout cas, au nom du président international, au nom du bureau international et de tous les présidents et à mon nom propre, je voudrais bénir le Seigneur pour que nous puissions vous envoyer au Burkina. Vous allez aller préparer pour nous là-bas. Seigneur Dieu, nous voudrions te dire merci parce que tu fais toujours de bonnes choses. Seigneur, tu nous as surpris quand bien même à un certain moment nous avions douté. Mais Seigneur, tu as fait que ton nom soit glorifié. Pendant ces 10 jours, Seigneur, nous avons été là et tu nous as donné des mamans merveilleuses. Seigneur, daignes-tu chacune d'elles, chacun de les restaurer, les fortifier et leur donner à chacun d'eux ce que leur cœur désire. Au nom du Sina, du 3 au 13, vous recevez toutes les bénédictions qui vous ont dues dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de tous les participants, le président va faire une photo avec eux.
Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Je leur dis à tout à l'heure en votre nom parce que à la fin du culte, on va se voir encore là-bas. Gloire à Jésus. Alors, tout de suite, je vous annonce que je ne suis plus béninois dès maintenant. Je suis centrafricain. On va rendre grâce au Seigneur pour la Centrafrique qui fête aujourd'hui son indépendance. Et au nom de Jésus, c'est une indépendance réelle et authentique. Indépendance politique, financière, spirituelle, indépendance à tous égards. Les Centrafricains, avancez s'il vous plaît. Avancez. Alléluia. À l'autre là, c'est la Centrafrique qui nous avait accueillis. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour vous. L'hymne. Nous vous prions de vous tenir sur vos deux pieds. On va chanter l'hymne national de la Centrafrique. S'il vous plaît, par amour, tenons-nous debout. Ô Centrafrique, ô berceau des Bantous, repends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps primé par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, tu reconquères ton droit dans l'unité. Et pour franchir la République centrafricaine, unité, dignité, travail. Je voudrais demander à notre bien-aimé Paul de bien vouloir s'avancer. Priez pour la Centrafrique. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée d'indépendance pour la Centrafrique. Seigneur, ce pays a trop souffert. Nous prions, Père, que tu déclares une année, cette année, nous prions, Père, que ça soit une année de relâche, une année de grâce pour ce pays. Trop de sang versé dans cette nation. Père, nous refusons la main de l'ennemi sur la Centrafrique. Et nous proclamons ta délivrance. Nous proclamons ta guérison. Nous proclamons ta restauration. Ô Seigneur, fais du bien à ce peuple. Fais du bien à ce peuple. Ce peuple soupire après toi. Seigneur, fais du bien à ce peuple. Fais du bien à ce peuple, Père. Béni sois-tu. Parce que à la croix, tu as accompli, Seigneur, des choses pour cette nation. Et nous réclamons cela dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.
Merci pour tes grâces sur la Centrafrique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avançons lentement vers la fin de ce culte et pratiquement du SILA 2023. Que chacun commence par serrer sa ceinture et préparer l'atterrissage. Je sais que la séparation n'est toujours pas facile. Donc, commencez par vous préparer. Excusez-moi, je voudrais que le président Yaoukouin bouche ses oreilles pendant que je dis ceci. Vous savez, le président Gabi, avant de partir, nous a laissé une mission. Je voudrais juste rappeler cela. C'est important, je crois capital, que nous puissions bénir la vie de quelqu'un qui se donne pendant tout ce temps à être au service de ce ministère qui nous réunit. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, nous on sait. Et je sais ce que vous savez. Donc je voudrais que très rapidement, lorsque nous allons sortir, que les présidents ou les délégués des nations me rejoignent pour que nous puissions. Moi, je n'aime pas la spéculation. Il ne faut pas faire de la philosophie quand la philosophie ne se fait pas. Donc, nous allons un peu parler pratiquement parce que quelqu'un l'a dit. Lorsque, une fois que nous allons chacun de nous chez soi, nous oublions l'essentiel, sinon l'important. Donc, je vous en prie, tout à l'heure, nous allons nous retrouver pour parler pratiquement de ce que cette mission que le président Gabi nous a laissée. Si nous ne le faisons pas, nous aurons menti parce que nous avons pris un engagement devant Dieu. Donc voilà, j'ai parlé en langue de bois, mais je crois que, sauf le pasteur, enfin le président Yaoukouin n'a rien compris, mais nous on a compris. Merci. La rencontre dont parle le doyen Clément se fera dans la salle où le bureau international s'est réuni la fois dernière. La présidente Bénédicte Ouora. Si ce n'est pas erreur que je l'ai fait, pardonne-moi mon péché. Mais c'est toi que nous avons choisi. Les attestations. Non, pas comme ça. Non. On va inviter le président pour lui remettre ça. Elle prend officiellement les attestations de toute une délégation. Enlève le papier, s'il te plaît. Voilà. Pour la remise des attestations entre le chef de délégation et les participants, les photographes sont toujours là. Ça peut se faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu une disposition ici, là, en bas. OK? Donc, vous pouvez aussi faire des photos. Voilà. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur? Pour la Centrafrique, je vois ici Nandé Séné Chanel Blaise. Ah, c'est le pasteur. Le pasteur, le président Sankara. Pour le Tchad, Moïta Daniel. On va inviter le doyen. Le doyen Guy. Le doyen Guy Epo.
Pour le Burkina Faso, le président Sankara. Non, vous recevez. Oui, mais c'est la vie. La vie, c'est le donner et le recevoir. Voilà. Si tu ne fais que recevoir, c'est que tu ne fais que inspirer, inspirer, inspirer. S'il n'y a pas d'inspiration, on meurt. Alors, je vais inviter... Ah, maman Bansi est Sankara. Burkinabé. Je vais inviter le... La soeur... Non, pas le frère Paul. La soeur Julie. Merci. Ouais, c'est tout un livre, hein? Que Dieu bénisse tous les participants. Pour le Mali. Pour le Mali, on va inviter le président Esaïe. Esaïe Dembélé. Doucement. Et pour la remise, je vais inviter maman Bansi. OK. Pour la Guinée, je vois Esther Lana. Lama, OK. Esther Lama. On acclame le Seigneur pour la Guinée. Ah oui. La Guinée a fait un grand effort pour être là. On va acclamer à nouveau, s'il vous plaît. Soyez fortifiés. Amen. Je vais inviter la sœur Sophie pour la remise. Pour le Cameroun, Bologo, c'est ça? Bologo Lutro. Ruth Law. Ah, Bologo Ruth Law. Ouais, la soeur. Hey, tellement ton nom est joli que c'est toi qu'ils ont choisi. C'est le secrétaire qui a choisi, c'est pas moi. Ruth Law. On va inviter le frère Traoré Yakuba pour la remise, s'il vous plaît. C'est pourquoi on disait que si celui ou celle qui a été choisi n'était pas le chef de délégation, qu'il aille remettre au chef de délégation. Voilà. On a demandé au secrétaire de nous proposer quelqu'un, juste quelqu'un. Merci. Pour la Côte d'Ivoire, la sœur Abbas Annabelle. Je vais inviter le pasteur du Togo, j'ai oublié le nom. David, voilà. Le pasteur David, pour la remise. Et le pasteur David va rester. En même temps, pour le Togo, bon, le pasteur David Bénon, bien sûr, et on va inviter la sœur Martine pour la remise. Le pasteur David est là comme une porte des Chantres Unis sur le Togo, et je suis sûr que dans le premier trimestre qui va venir, vous aurez des photos et des vidéos de nos actions communes, Bénin Togo, au Togo. Et pour le Bénin, la sœur Nicole Sakbouhan, c'est notre trésorière. Grâce à elle, nous avons bien mangé.
Je vais inviter Tata Tero. Ah oui. Pour la remise. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'il y a des nations oubliées? Il y a des délégations oubliées? Le Bénin? Ah, docteur. J'ai appelé le Tchad. J'ai appelé le Mali. Les Tchadiens, vous êtes sûr que vous êtes oubliés? Ah, gloire à Dieu. Vous avez tellement de défenseurs. Hein? Que le Seigneur bénisse le Tchad. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce culte qui finit à l'heure par la grâce de Dieu. Mais avant qu'on ne parte, nous allons recevoir une bénédiction de la part du président qui est le père que tu as placé devant cette famille. Et il va non seulement prier pour nous qui sommes ici, mais prier aussi pour les participants qui sont déjà en route. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà partis. Ce matin encore, certains se sont envolés. Et il va nous bénir tous. Et ce sera en même temps la prière de clôture. Mais je vais demander au chantre de bien vouloir s'installer pour ce cœur. Ok. Quelqu'un a laissé tomber son ticket de parking de moto. Ceux qui sont venus avec moto, quelqu'un a laissé le ticket